soul. I live for you alone. Every breath. Bonjour, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à Abashalom. Je suis le pasteur Jonas Soro, pasteur principal de l'église ou de l'assemblée à Abashalom. Donc, je suis là pour la classe Shalom, qu'on appelle la classe de cours de fondement. Donc, je suis là pour le premier cours, ce cours de fondement qui va vous permettre de connaître davantage le Seigneur Jésus-Christ et qui va permettre à ceux qui veulent se baptiser de pouvoir se baptiser. Voilà, donc c'est un peu ça. Je vais vous décrire un peu l'ensemble du sommaire de ce cours. Donc, dans le sommaire de ce cours, il y aura aujourd'hui ce qu'on verra en premier, la présentation de la vision de l'Église, de l'œuvre. C'est important de savoir pour vous où vous êtes. Est-ce que là où vous êtes, quelle est l'orientation de cette assemblée? Est-ce que ça correspond à la parole de Dieu? Donc, nous allons commencer avec le premier cours aujourd'hui, c'est-à-dire présenter l'œuvre et sa vision. Le deuxième cours, ça serait comprendre le véritable message de la croix, parce que c'est ce message de la croix qui nous réunit. On a aussi comprendre qui est Jésus-Christ de Nazareth, bien sûr, ça va découler du message de la croix. Comprendre qui est le Saint-Esprit et quel est son rôle dans notre vie, aussi c'est important. Comprendre le péché et savoir comment le vaincre. Comprendre l'importance du baptême d'eau et comprendre ce que c'est que la nouvelle naissance. Voilà, là décrit le sommet de notre cours. Donc aujourd'hui, nous allons voir le cours 101. Le cours 101, qui est la présentation de l'œuvre. De l'œuvre, de la mission de l'assemblée à Abba Shalom. Donc, je répète que je suis le pasteur principal, marié à Christine Soro, 4 enfants. Et bon, ça, tout le monde le sait généralement. Et je suis le père de la vision, le père de l'œuvre. Déjà, d'entrée de jeu, j'aimerais vous expliquer un peu quelque chose. Généralement, les gens se disent, mais pourquoi on ne fonctionne pas comme l'église primitive où tout le monde était ensemble, ils décidaient tout ensemble, ils fonctionnaient de manière collégiale? En fait, ils fonctionnaient de manière collégiale parce qu'ils avaient reçu la vision ensemble. Jésus était pyramidal, c'est-à-dire qu'il était à la tête de tous. Il leur a donné, avant de partir, la vision à eux tous en même temps. Il n'y avait pas d'autres qui étaient plus élevés que d'autres. C'est pour cela qu'ils ont continué collégial. Donc, il peut arriver que des églises fonctionnent de manière pyramidale. Parce que Dieu a parlé à une personne, et c'est cette personne-là qui amène la vision et qui conduit la vision. Donc, au travers de ce cours, nous allons mieux connaître l'œuvre, connaître la vision, l'historique, les objectifs, la mission. Vraiment, qu'est-ce qui décrit l'œuvre? Bon, bien sûr, je pense que la première question qu'on va se poser, c'est Abba Shalom, ça veut dire quoi? On pouvait penser à Église internationale de ci, Église planétaire de là, Église des puissances, des miracles. Il y a plein de noms assez impressionnant que les gens donnent à leur église. On n'a pas dit c'est mauvais, c'est comme ça qu'ils ont reçu leur vision. Moi je l'ai reçu autrement. Bon, quand je recevais cette vision, mon fardeau c'était qu'est-ce que je veux transmettre aux gens qui vont venir à l'église. Et j'ai senti qu'il faut qu'ils connaissent l'amour de Dieu et aussi qu'ils expérimentent la paix de Dieu. Et je me suis dit paix et amour de Dieu, église paix et amour de Dieu, je trouve que c'était un peu trop, bon, pas trop assez pertinent pour nous qui sommes dans la communication. Il faut un nom assez unique. Parce que si vous mettez paix et amour de Dieu sur internet, c'est pas sûr que vous allez trouver tout de suite l'église. Et je me suis dit, il faut que je cherche la signification de ces mots en hébreu. Et quand je suis allé chercher le mot hébreu qui veut dire amour, il y a le mot Ahava et le mot Ahava. Donc je me suis dit, bon, entre les deux, je préfère plutôt le Ahava. Et bien sûr, le mot qui traduit la paix de Dieu, il y a le mot Shalom. Donc je me suis dit Ahava Shalom. C'est un peu compliqué à prononcer, mais c'est ça le mot. Donc, dans la vision principale de cette assemblée Abba Shalom, dans laquelle vous êtes, nous voulons permettre à plusieurs d'expérimenter l'amour et la paix de Dieu. Moi, je pense que c'est deux choses importantes dans la vie de tout chrétien. Tu peux avoir des millions, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux avoir des percées, tu peux avoir des miracles. Mais si ces choses-là ne te permettent pas d'expérimenter l'amour et la paix de Dieu, je pense que tu n'as pas beaucoup, tu n'as pas ce qui est essentiel. Ok? Donc, expérimenter l'amour et la paix de Dieu afin d'avoir des vies épanouie des vies glorieuses en Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons que Christ est venu mourir à la croix de Golgotha pour nous transmettre l'amour de Dieu. Et il est important pour nous de recevoir cet amour, d'accepter d'être aimé par Dieu et aussi d'expérimenter la paix. Parce que nous avons compris que même l'argent ne donne pas la paix. Et nous voulons que les gens reçoivent dans cette assemblée la paix de Dieu. Amen. Donc c'est ça notre objectif. Amen. Donc nous croyons qu'elle peut se produire dans le cœur au travers des messages qu'on va donner, au travers de l'esprit qui règne dans cette assemblée. Et c'est ça notre vision. Maintenant, notre vision en second plan, c'est vraiment de préparer les âmes pour le retour du Seigneur. Vous préparez pour le retour du Seigneur. Parce qu'on a compris que même si tu as l'amour et la paix de Dieu ici, tu as tout ce que Dieu veut te donner ici, et que tu n'es pas prêt au retour du Seigneur, tu n'as pas l'essentiel.
tu n'as pas le plus important. Le plus important, c'est d'être prêt quand Jésus reviendra. Et en cela, nous allons orienter l'Église dans les valeurs de la foi chrétienne, les fondements de la foi chrétienne. D'ailleurs, c'est ce que nous allons voir pendant tout ces périodes de cours que nous ferons avec vous, qu'on va appeler les cours de fondements. Donc, préparer les chrétiens au retour du Seigneur, les préparer au retour de Jésus, qui nous a promis de revenir prendre ceux qui auront marché droitement. Et c'est ça notre objectif. Donc nous comptons aussi amener les âmes à déployer leur potentiel. C'est ce que Dieu a mis en eux. C'est ça, c'est notre but. C'est encore un autre volet de la vision. Déployer leur potentiel. Dieu nous a tous créés pour un but. Et nous voulons que chaque personne qui vient dans cette église ne rate pas le but pour lequel Dieu l'a créé. Et ça, c'est notre objectif aussi. Et nous voyons comment Jésus nous accueille en Matthieu 25, 21. Il dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai de plus grand. Et ensuite, il dit, entre dans la joie de ton maître. Nous comprenons qu'au-delà même d'accepter Jésus, il faut que nous soyons utiles et que nous soyons utiles au royaume. Donc notre objectif, c'est vous d'amener à déployer ce que Dieu a mis en vous. Dieu n'a créé personne de vide. Il t'a créé avec quelque chose. Il t'a créé pour quelque chose. Vous savez, avant de créer une voiture, on la crée parce qu'on veut faire quelque chose avec. On ne crée rien dans le hasard. On crée toute chose pour un but, pour quelque chose. Et nous voulons que toi, tu puisses développer ce pourquoi Dieu t'a créé. C'est pour ça aussi que tu es dans cette assemblée. Voilà, nous évoluons par rapport à la mission. Il y a déjà l'évangélisation, qui est la mission de toute œuvre du Seigneur. Là, quand Jésus partait, il a dit de prêcher et d'annoncer l'évangile partout dans le monde. Et dit même dans les occasions favorables ou pas, d'insister sur l'évangile. On a 2 Tite 4, 2. On a l'enseignement aussi. Enseigner les bases, la parole de Dieu aux âmes, qui est aussi une de nos missions. Qu'ils connaissent davantage, qu'ils adorent, qu'ils suivent. C'est aussi notre objectif. La Bible dit de faire les nations des disciples. On ne peut pas faire des gens des disciples sans les enseigner. Et nous voulons leur transmettre la parole qui va les transformer en disciples. Matthieu 28, 19. On a aussi la formation des disciples. Quand des personnes sont maintenant des disciples, il faut qu'ils soient formés afin qu'eux aussi puissent être utilisés par le Seigneur. Et nous sommes là aussi pour cela. Et nous voulons amener les gens à pouvoir être des bons disciples, des disciples que Dieu cherche. 1 Corinthiens 12, 27 nous dit, vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Il y a une mission aussi qui est très importante, c'est la louange et l'adoration. Vous allez dû remarquer, pour ceux qui sont venus depuis quelque temps dans cette église, que la louange et l'adoration a une vraie place au sein de l'église. Parce qu'on pense que ce sont des moments que Dieu aime. C'est des moments qui nous permettent de nous connecter au ciel, d'avoir le ciel ouvert sur nous. C'est pour cela que nous mettons vraiment un point d'honneur vraiment sur la louange et l'adoration de cette assemblée. Nous louons beaucoup, nous adorons énormément. Nous favorisons vraiment les temps de connexion avec le Seigneur plus que d'autres choses. Parce que la louange et l'adoration pour nous est très importante. Alléluia. Psaume 145, 21. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Il y a un autre volet aussi que notre mission, c'est le conseil et le soutien spirituel. Aujourd'hui, j'ai dit spirituel, ça je l'ai écrit depuis, c'est cette vision. Mais ce n'est pas que le soutien spirituel ou le conseil spirituel. Dans cette assemblée, on va au-delà même de ça. On donne des conseils de vie, on donne des conseils d'affaires. On va au-delà même de cela. Voilà, donc on veut soutenir les gens spirituellement, les soutenir aussi socialement, aider les âmes vraiment à pouvoir s'en sortir dans leur vie, à pouvoir se retrouver. Parce que la Bible dit la réunion religion pure et sans tâche, c'est celle qui prend soin des autres. Et nous ne voulons pas seulement rester que dans le volet prière, jeûne et tout ça. Oui, mais les gens sont venus avec des besoins. Il faut qu'on puisse les aider par rapport à leurs besoins. On a aussi la délivrance et la prière. La Bible nous appelle aussi à délivrer les gens, à permettre à ce que les liens des gens soient coupés et tout cela. C'est vrai que chaque église a sa méthode. Hein? Dans d'autres églises, il y aura beaucoup de séances de délivrance, il y aura plein de jeûnes. C'est leur méthode. C'est par là qu'eux pensent être efficaces. Et ça marche. Nous, notre méthode, elle est un peu plus différente. On est beaucoup plus dans la parole qui délivre. Donc, on a vu beaucoup de personnes qui ont été délivrées de chaînes simplement en restant à écouter ces paroles-là, en pensant des temps de louange. On fait aussi des temps de jeûne, on fait aussi des moments de prière, de délivrance, mais on n'est pas très axé dessus, mais c'est notre objectif parce qu'il y a de la délivrance dans cette assemblée. Il y a aussi de la vie de prière. Une autre mission, ce sont les familles. Nous voulons constituer des familles solides. Nous voulons constituer des familles véritables,
Nous voulons que cette assemblée-là inspire, soit à l'origine de la création de diverses familles ou la stabilité de diverses familles. Et nous croyons qu'une société stable passe par des familles stables. Et nous sommes dans une société où les familles sont très instables, où il n'y a pas vraiment de famille, où la majorité des Gabonais ou des personnes ici n'ont pas grandi dans des familles. Et nous croyons que le passage de la Bible qui dit en Hébreux 13:4, que le mariage soit honoré de tous, ce n'est pas seulement de respecter le mariage, mais c'est d'amener aussi les gens à faire les choses comme il faut en passant par le mariage. Donc il faut honorer le mariage, beaucoup le font autrement. Et voilà un peu notre mission. Par rapport à la confession de foi, la confession de cette foi, c'est quoi? En quoi nous croyons? En quoi nous croyons? On ne peut pas être dans une assemblée sans savoir quelles sont les confessions de foi. Parce qu'il y a des assemblées qui croient des choses qui ne sont pas bibliques, il faut savoir. Et la confession de foi, nous croyons que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha, qu'il est ressuscité le troisième jour pour nos péchés, et que quiconque croira en lui sera sauvé. Nous le croyons. Nous croyons que ce Jésus-là a existé. Nous croyons que son sacrifice a existé. Nous croyons qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et comme je l'ai dit, ça c'est la deuxième croyance. Et qu'il est le seul chemin qui amène au Père. Et que personne ne peut arriver au Père sans passer par Jésus. Ça c'est nos croyances. Vous avez, on va vous donner certainement le test de détail. Nous croyons au Saint-Esprit à ses manifestations. Je sais qu'il y a certaines assemblées qui ne croient pas du tout. Nous croyons que l'Esprit de Dieu existe et que c'est lui qui est resté avec nous. C'est lui qui nous permet de tout faire. Même là, je suis en train de vous parler, ce n'est pas l'Esprit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, je vais vous parler, ça serait juste des discours. Hein. Sans l'Esprit, il n'y a pas de vie dans, quoi que ce soit, dans tout ce que nous faisons. Nous croyons au Saint-Esprit, nous croyons à ses manifestations. Nous croyons qu'il peut guérir, il peut changer, il peut faire des miracles, il peut transformer. Nous croyons en cela. Nous croyons aussi que Jésus-Christ est l'unique chemin. Bon, ça je l'ai dit, et le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous croyons que Jésus-Christ reviendra chercher ses brebis. Ça, c'est une croyance importante dans cette assemblée. Nous croyons ça. Moi, je crois que la foi véritable d'un enfant de Dieu est fondée sur ça. Parce que si tu ne t'attends pas au retour du Seigneur, tu ne peux jamais avoir une vie comme Dieu attend. Ce n'est pas possible. Nous croyons que Jésus va revenir et il prendra toutes les personnes nées de nouveau qui auront demeuré dans la nouvelle naissance, qui auront demeuré dans la vie du royaume pour qu'ils puissent avoir accès à la vie éternelle. Et c'est cette croyance-là qui fait qu'on fait tout ce qu'on fait aujourd'hui. Notre foi n'est pas basée sur tous les miracles que Christ peut faire pour nous, même si nous croyons en manifestation du Saint-Esprit. Mais notre foi est plus basée sur le fait qu'il reviendra et il jugera le monde. Alléluia. Et nous croyons vraiment en cela. Et c'est ce qui nous permet d'exister aujourd'hui et de continuer à persévérer dans la foi. Parce que quand tu crois à ça, ta foi est plus solide que de croire qu'aux manifestations du Seigneur. Parce que si tu crois aux manifestations, lorsque tu les aurais déjà expérimentées, je pense que ta foi va disparaître. Ou lorsque tu n'arriveras pas à les expérimenter, je crois que ta foi va disparaître. Mais quand tu continues à croire au retour du Seigneur pendant qu'il n'est pas encore arrivé, je pense que soit tu croiras jusqu'à ce qu'il arrive, soit tu croiras jusqu'à ce que tu meurs, mais tu n'arrêteras pas de croire. Alléluia. Et ça, c'est une réalité. Nous croyons aussi à l'Église universelle, avec Jésus-Christ à la tête. Je n'ai pas dit arrêter de souffrir, je ne parle pas des Églises universelles hein, dans le monde entier. Je ne parle pas de ça, je croyais à l'Église universelle. Nous croyons que partout dans le monde entier, il y a des gens qui croient comme nous et que nous sommes tous dans le corps et que nous serons tous sauvés et que nous avons une particularité qui nous lie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et cette Église universelle, elle n'est liée à aucune religion. C'est pour cela que, pour savoir peut-être choquer certains de vous, l'Assemblée Abba Shalom n'est pas une église évangélique. L'Assemblée Abba Shalom n'est pas une église réveillée ou éveillée. On n'est classé dans aucune de ces catégories d'églises. On est seulement une église de Jésus-Christ. Alléluia. Nous nous basons que sur ça. Parce que quand on dit évangile, on nous conditionne dans certaines choses. Les églises évangéliques ont des règles, ont des bases, ont des principes. Si l'un de ces principes ne correspond pas à notre foi par rapport à la lecture de la parole de Dieu, alors nous ne l'appliquons pas. Voilà. Nous croyons seulement à l'église universelle qui est fondée sur la parole de Christ, la parole de Dieu dans la Bible, et dont Jésus-Christ est à la tête. C'est à ça que nous croyons. Pour finir, nous allons parler maintenant de nos valeurs. Qu'est-ce qui est important au sein de cette assemblée? Parce que chacun vient d'une assemblée différente. Chacun a ses valeurs. Chacun se dit, bon, à l'église, on doit être comme ça, on doit être ici. Mais nous, ici, dans l'église d'Abba Shalom, nous avons des valeurs qu'on doit respecter. L'un des premières valeurs, une valeur, bien sûr, c'est l'amour. Nous voulons nous aimer. Aimer nous-mêmes déjà et aimer l'autre. Nous ne voulons rien faire dans la haine de l'autre, dans la vengeance contre l'autre, dans le délégrement de l'autre. Nous voulons aimer notre prochain, comme Jésus nous l'a dit.
d'aimer notre prochain. Nous voulons aimer notre prochain. C'est une valeur très importante. C'est pour cela que nous ne tolérons pas les gens qui viennent dans la critique, dans les mauvaises pensées, calomnier l'autre, dit du mal de l'autre, chercher à être méchant. Vraiment, ici, ça ne passe pas. Nous voulons aimer les gens. Une des valeurs, c'est l'humilité, la simplicité. C'est pour ça que vous allez voir que nos cultes ne sont pas très tape à l'œil. Nous ne cherchons pas à impressionner quiconque. Le pasteur, moi en tant que pasteur, j'aurais très simple, mon épouse aussi. Et ceux qui rentrent dans l'esprit de cette assemblée comprendront que nous sommes simples. Nous ne voulons pas trop d'extravagance. Nous ne voulons pas habiller la gloire de Dieu qui est déjà assez glorieuse. Et nous ne voulons pas impressionner les gens. Nous voulons faire les choses avec simplicité. Jésus était très simple. Il était très humble aussi. Et nous voulons le refléter dans tous les sens. Alléluia. Nous voulons vraiment que Dieu soit glorifié et pas nous. Nous ne voulons pas que Abba Shalom soit connu, mais nous voulons que Christ soit connu encore plus au travers d'Abba Shalom. Une des valeurs aussi, c'est bien sûr la sanctification. Ça, c'est l'une des valeurs qui dérange un peu plusieurs qui n'acceptent pas trop de rester ici. Parce qu'on n'est pas une église où on peut venir faire, on peut venir être, y être et puis vivre comme on veut. À moins que tu sois juste un visiteur, il n'y a pas de souci. Mais dès que tu veux servir dans cette église, dès que tu veux être un ouvrier, dès que tu veux, tu t'es dit, c'est mon église et je veux y rester, comprends que tu dois marcher dans la pureté. Comprends que tu dois marcher dans la sanctification. Et ça, nous y tenons vraiment. C'est pour ça que vous allez voir qu'on ne baptise pas des personnes en couple qui ne sont pas mariées, on ne les baptisera pas. Parce qu'on estime qu'ils ne sont pas dans une condition validée par Dieu. On ne les baptisera pas. Pas parce que nous les jugeons. Parce que le baptême lui-même, c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Mais c'est le baptême, non, de la sanctification. Donc, je ne comprends pas comment on peut se baptiser et être dans une position qui n'est pas de sanctification. Donc, nous, on tient, même si tu es très talentueux et que tu es très fort et que tu es indispensable dans cette église, si tu ne te sanctifies pas, c'est vrai qu'on peut tous avoir des petites faiblesses, mais je pense qu'il y a des niveaux qu'on ne peut pas atteindre. Et la vie de sanctification est une vie très importante. Alors, on a fait assis beaucoup de personnes. Plusieurs sont partis de cette église parce qu'on ne les a pas permis de vivre comme ils voulaient et de continuer à servir dans cette église. Ce n'est pas possible. On a aussi le service qui est aussi une des valeurs. Si tu es là, c'est pour être pas au service de pasteur Donald Soro, ni de mon épouse, ni non plus même au service d'Abba Shalom, mais au service de Dieu. Parce que moi, je suis au service de Dieu. Je ne sais pas l'église. Je ne vous sais pas non plus. Tous ceux qui viennent là doivent comprendre que nous devons tous servir le Seigneur. Lorsque nous engageons, nous devons nous engager pour le service. La Bible nous dit en 1 Corinthiens 15, 58, « Ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux pour le Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Donc, comprenons que nous, il est important pour nous d'être utiles à Dieu. Et dans cette assemblée, nous voulons aider les gens à déployer leurs talents, à être au service du Seigneur, pas au service de moi, parce que si tu es au service d'un homme, tu vas être découragé, tu vas être démotivé. On a eu ça, on a eu des gens qui sont engagés dans l'église, après ils viennent pas, on ne sait pas pourquoi ils ne sont pas venus, après ils ne servent plus, on ne sait pas pourquoi ils ne servent pas, parce que ces personnes se sont engagées envers un homme et non pas envers Dieu. Parce que quand tu t'engages envers Dieu, parce que Dieu t'a dit ne te presse pas à faire une promesse, mais quand tu l'as fait, il faut la tenir. Non, c'est très important. On a aussi la communion fraternelle. Nous voulons nous aimer, nous voulons être ensemble. C'est vrai que l'église est à un niveau aujourd'hui, la communion fraternelle est un peu mitigée, mais elle est importante d'être maintenue quand même. Il faut qu'on ait des rapports sains entre nous, sans à rien penser, et qu'on apprenne à... La communion fraternelle va nous amener à nous soucier de l'autre, à demander à l'autre comment il va, à soutenir l'autre, parce que nous formons une famille ici, et nous devons former une famille. C'est vrai que dans le temps passé, on a eu des personnes qui sont venus fragiliser ces familles-là en mettant les uns contre les autres, en critiquant tout ça. Et Dieu merci, toutes ces personnes-là sont quittées cette église. Et sachez que vous qui êtes nouveaux, vous rentrez dans une famille. Nous voulons vous aimer et nous attendons à ce que vous aussi vous appreniez à aimer ceux qui viendront et à aimer tous ceux qui sont dans cette assemblée. On a aussi l'excellence qui est aussi une valeur importante. Pour ceux qui me connaissent très bien, j'aime pas offrir de la médiocrité à notre Dieu. Notre Dieu mérite le meilleur. Notre Dieu mérite l'excellence. C'est vrai que quand d'autres le disent, ils le disent beaucoup plus pour faire des choses qui tapent à l'œil au monde. Non, non, non. Moi, je vais donner le meilleur à Dieu à tous les niveaux. Que ce soit l'enseignement, la louange, l'accueil, tous les niveaux. La présentation de l'église, la propriété de l'église, tout ça, c'est très important. Voilà, c'est des choses que les gens battent, mais sans comprendre que le Dieu qui y sert est très excellent. Il faut que nous aussi, on donne un service d'excellence. Il ne faut pas qu'on soit dans la négligence. Il faut qu'on travaille avec excellence. Regardez comment Dieu crée toutes choses.
La Bible dit qu'il a créé toutes choses dans le but d'être bon à manger et agréable à la vue. Alléluia. Donc, ça dit, le plus important, ce n'est pas uniquement qu'il y ait l'onction dans l'église. C'est bien. Mais Dieu travaille sur le visuel aussi. Amen. Donc, ça, il faut que tu qu'on le comprenne aussi, qu'il faut qu'on travaille dans l'excellence. C'est vrai qu'il y a l'onction, la présence de Dieu. On va dire ça, ça nous suffit. Non. Dieu ne travaille pas. Quand vous voyez une mangue, elle est bonne à manger, mais elle est belle aussi visuellement. Quand vous voyez des choses qui sont bien, mais ils sont aussi beaux. Dieu a créé la nature en tenant compte de deux choses. De la qualité de la nature et de la bonté de la nature. La beauté de la nature. Amen. Donc nous devons travailler sur ces deux éléments. En même temps, dans l'excellence, nous devons chercher à avoir des cultes remplis de la présence de Dieu et à des cultes édifiants. Mais en même temps, si nous devons travailler à avoir des cultes dont la présence, l'organisation soit bien faite. Et ça, c'est notre objectif. Donc si tu es avant Shalom, tu dois aussi intégrer ça dans ton esprit. Et je vous assure que ça a aidé énormément des personnes qui ont commencé à fréquenter cette église. Ça les a aidés même dans leur travail, dans leur carrière, dans leur vie de tous les jours. Parce que les gens n'ont pas très cette habitude-là de travailler dans l'excellence. Et je vous dis, c'est l'excellence qui permet d'évoluer, d'aller un peu plus loin et surtout d'atteindre ses objectifs. Et le dernier élément, c'est la vérité. La dernière valeur, c'est la vérité. Nous voulons être et non jamais paraître dans cette église. C'est-à-dire, si tu n'es pas, tu as des problèmes, tu as du mal avec certaines choses, ne cherche pas à paraître bon chrétien. Sois ce que tu es. Dis-le à un frère, une soeur ou au pasteur. Ouvre-toi naturellement avec humilité et tu le seras. Mais ne parais pas. On n'est pas dans une église où on vient faire le semblant. On veut être dans la vérité à tous les niveaux. Adorer Dieu dans la vérité. Le louer dans la vérité. On ne veut pas aller faire des bêtises dehors, faire plein de choses terribles et puis se retrouver dans l'église et faire semblant d'être chrétien. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Et ça, c'est une valeur auquel on tient. Toutes ces personnes qui sont sorties de cette valeur ont eu des problèmes dans cette assemblée parce que ça ne marche pas avec nous. Ça ne marche pas ici. La Bible dit en Jean 4, 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc ça, c'est vraiment notre premier coup. Je dis la bienvenue à vous qui l'écoutez pour la première fois à Abba Shalom. Et j'espère que toutes ces valeurs-là vont rester en vous et que vous avez compris vraiment l'œuvre et sa mission et sa vision. Ce fichier-là va vous être donné par WhatsApp parce qu'on est dans l'ère du numérique. On ne va pas imprimer des feuilles pour donner à quelqu'un. Maintenant, si tu veux imprimer, tu donneras ton email. Mais il va vous être donné par WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fini le premier cours et nous allons voir pour le prochain cours qui se fera dans deux semaines. Nous verrons comment comprendre le véritable message de la croix. Je rappelle que à ce cours-là, vous aurez des interrogations. Il y aura la prochaine fois, vous aurez un exercice sur tout ça. Vous aurez un exercice à faire sur tout ça. Donc, il faudra bosser vos leçons et comprendre les cours. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis bienvenue à Abba Shalom. My soul.